Allez, debout là-dedans. On se dépêche. Allez, debout. Sors de là. Les terroristes, ils sont où? N'entraînez pas. Bouge pas. Mourad et Sijama, les chefs du maquis, vous les cachez où? Réponds! On cache personne! Laissez mon père tranquille! Viens ici! Viens ici, toi! Avec lequel t'es couché? Hein? Avec les deux? Non, c'est ma femme, elle est enceinte! Laisse-la! Ça fera toujours un félouse de moins! Tu parles arabe, toi? Qu'est-ce qu'il y a écrit? C'est signé Jamal et Bakhti. Jamal, Bakhti? C'est qui ça? Hein? C'est des falagas? C'est tes amis. Ils ont rien fait. Là, c'est ce qu'on verra. Embarquez-moi ces trois-là. Lieutenant, restez là avec vos hommes. Et vous me trouvez des preuves de la présence des terroristes! Allez, 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 on fouille partout! Bonjour. Merci d'être venu me chercher. Je vous en prie, c'est bien naturel, entre confrères. Vous savez que votre courage porte admiration. Là, chocolat. Mon courage, n'exagérons rien. La guerre, les attentats, nous en Algérie, on est obligés de les supporter. Mais vous, pourquoi vous prenez ce risque? Vous savez ce que c'est, les avocats parisiens? Tous des têtes brûlées. Et votre autorisation de séjour, vous l'avez pour combien de temps? 2 jours seulement. Le gouvernement fait tout pour nous dissuader de venir plaider à Alger. J'ai été commis d'office et il y a 2 semaines, Mademoiselle Boupacha m'a dit qu'elle vous avait contacté. En effet. Son frère est enfermé au camp de Lodi. Mais il s'est débrouillé pour me faire passer une lettre. Ces militants du FLN, ils veulent tous des avocats parisiens. Mais qu'est-ce qu'ils s'imaginent? Que vous allez leur sauver la tête? Vous connaissez mes opinions. Ah oui, c'est facile pour vous d'être pour l'indépendance de l'Algérie. Qu'est-ce que vous avez à perdre? J'ai accepté de la défendre, mais je ne connais pas le dossier. Oh, c'est une affaire toute simple. La petite a déposé une bombe dans un café, la brasserie des facultés. Heureusement, elle n'a pas explosé car la caissière l'a découvert à temps. Et voilà. Classe. Classe, ça veut dire c'est tout en arabe. J'avais compris. Ah bon, vous parlez arabe? J'ai vécu en Tunisie jusqu'à 18 ans. Alors, ce dossier, elle plaide coupable? Ah oui, elle a tout avoué, je vous dis, il y en a pour 10 minutes à plaider. 10 minutes pour une peine de mort? Ah bah, c'est une terroriste, hein. La bombe, elle l'a déposée. Dommage, une belle fille, 22 ans.
d'un coup. Attention à vous là-bas. Jamila Boupacha. Je suis Gisèle Halimi, votre avocate. Je suis contente que vous soyez venue. Non, merci. Asseyez-vous. La prison, comment êtes-vous traité? Ça dépend des jours et de l'humeur des gardiens. Vous avez des nouvelles de l'extérieur? Quelquefois, on reçoit des visites, des journaux ou des livres. Aujourd'hui, il n'y en a pas. Pourquoi? Ce matin, un militant, un frère, a été tué à l'aube. Exécuté? Oui. La guillotine, il la met dans la cour. Quand il tue un frère, les hommes et les femmes chantent pour l'accompagner jusqu'à la dernière minute. Après, ils nous punissent. Pas de visite, pas de colis. Ça marche pas. Jamila, vous avez avoué avoir posé une bombe à la brasserie des facultés. Oui, j'ai avoué. J'ai tout avoué. Vous avez déposé une bombe? Non. J'ai rien fait. Mais vous avez avoué. J'ai avoué tout ce qu'ils voulaient. Ils m'ont fait mal. Tellement mal. Des coups. Partout. Là. Là. Ils crachaient sur moi. Des barbares. Ils riaient. Cracher la bière qu'il buvait. Les fils électriques, il les collait. Vous savez comment? Avec des bandes de scotch sur les bouts de mes seins. Non, je peux pas vous dire. Partout, vous comprenez? Il y en avait un gros, il disait, tu vas voir le deuxième degré, ce que c'est. Jamila, raconte. Tu peux tout me dire. Tu sais bien que je suis ici pour toi. C'est terrible. La bouteille, ils l'ont enfoncée. Même le raconter, c'est terrible. Je peux pas. Il y a une déformation. Parce que j'ai été battue. Par qui? Les autres paras, ils l'appelaient mon capitaine. Continue. Il m'a demandé si je regrettais d'avoir été reçu tes frères. Je l'ai regardé dans ses lunettes. Je lui ai répondu que je regrettais rien. Alors il m'a attrapé par là, comme ça. Et s'est mis à me donner des coups de poing, à me tordre le cou, à me cogner contre le mur. Je suis tombée par terre. Alors il m'a écrasé les côtes à coups de talon. Et ça? Ils ont appuyé leur cigarette allumée sur ma peau. C'est révoltant tout ce que tu as subi. Révoltant.
Je suis là pour t'aider, Jamila. Il faut que tu portes plainte pour les forcer à ouvrir une enquête. On a 2 jours avant ton procès. On va y arriver. Et tu vas me donner le maximum de détails. Tout ce qui te revient en mémoire. Tu as été arrêtée quand ? Le 10 février. La nuit. Tu veux dire le 10 mars ? Le mandat de dépôt est daté du 15 mars 1960. Non. Le 10 février dans la nuit. Ils m'ont gardé longtemps. Ils t'ont gardé 33 jours avant de te présenter au juge d'instruction. D'abord, ils nous ont emmenés au centre de tri d'Albiar. Je pense que ça a duré 4 ou 5 jours. Et après, on a été à UCND. Pour le second degré. L'électricité. Et ton père? Il est au camp de Beni Messous, mais il était tellement en mauvais état qu'ils ont dû d'abord l'emmener à l'hôpital. Il a 70 ans. Tu m'en as dit beaucoup, Jamila. Je vais essayer d'écrire tout ce que tu m'as raconté. Attends. Il y a quelque chose d'important que je veux te dire. Mes parents ne savent pas, je veux dire. Ils savent, mais ils ne savent pas tout. La bouteille, ils ne savent pas. Je leur ai rien dit. C'est trop grave pour nous. Je sais plus si je suis toujours une jeune fille, tu comprends? Je m'étais évanouie et j'ai eu du sang quand ils m'ont redescendue dans la cellule. Qu'est-ce que tu crois, toi, que je ne suis plus jeune fille? Dis-moi franchement, qu'est-ce que tu penses? Un bonbon, j'en ai un dans mon sac. Non, quand il y a une exécution, on refuse la nourriture. Au revoir, Jamila. Je viendrai demain pour te faire signer ta plainte. Bientôt 2 ans qu'il est président, le général de Gaulle a formellement interdit les interrogatoires sous la torture. Officiellement. Mais en fait, ça continue. En tant que procureur de la République, je dois garantir la justice à Alger. Tout ce que vous me racontez me révolte, maître. De tels actes de barbarie doivent cesser. Le procès de Jamila Boupacha ne peut pas avoir lieu dans 3 jours. Il faut un supplément d'enquête. À part ses aveux, il n'y a aucune preuve. Et encore une fois, des aveux extorqués sous la torture. Vous avez sûrement raison. Mais croyez-moi, n'ébruitez pas les choses. Que voulez-vous dire ? Inutile d'alerter la presse. Vous communiquez beaucoup trop, vous, les avocats parisiens. Franchement, ce n'est pas toujours efficace. Ah oui ? Quand la guillotine est tombée, c'est vrai que c'est un peu tard. Mais là, Jamila est encore vivante. Bon, déposez votre plainte et nous verrons. Vous savez, les choses ne sont pas faciles à Alger. Et cette bombe, c'est elle qui l'a placée? Mais je n'en sais rien, il n'y a pas eu d'enquête. Un terrorisme qui fait des victimes innocentes, c'est quand même horrible. Ce n'est pas une raison pour justifier la torture. Et un juge qui accepte de tels aveux,
C'est une honte. C'est peut-être un militaire. Non, c'est un civil. Monsieur Bérard. Ah, Bérard. Oui. Il est... Algérie française ? Sûrement. Et des peines de mort pour les Algériens, il en a signé beaucoup quand François Mitterrand était ministre de la Justice. C'est quelqu'un de très froid, insensible. Monsieur le procureur, demain à l'audience, je vais demander le renvoi pour supplément d'enquête. Si le renvoi est refusé, je ne plaiderai pas. Mais je ferai savoir qu'à Alger, la justice ne s'exerce pas. C'est bien. C'est bien, je vous aiderai. Je vous le promets. Je vous souhaite bonne chance, madame. Ah, comment ça va? Paris, la famille? Tout va bien, Poppy. Poppy, je cherche Maître Laquière, le bâtonnier d'Alger. Vous avez une affaire ici? Oui, très grave. Une toute jeune fille, agent de liaison du FLN, on l'accuse d'avoir déposé une bombe. Les militaires l'ont torturée affreusement. Elle a avoué et maintenant elle risque la peine de mort. Mais pourquoi vous fourrez dans une affaire pareille? Vous savez bien que c'est dangereux, voyons. Vous avez des enfants, un homme qui vous aime. Claude partage complètement mes opinions. Mais on en reparlera, on déjeune ensemble. Ah, volontiers. Ah, mais tenez. Vous voyez cet avocat avec le visage tout congestionné? C'est lui, le bâtonnier. Vous pouvez me présenter? Oh, bah, certainement pas. C'est le pire des ultras. Il a dressé des barricades dans Alger. Je ne vais pas lui parler. Je refuse de lui serrer la main. Ne vous inquiétez pas, je vais me débrouiller. Demain, 1h30, hôtel Aléti. D'accord. Monsieur le bâtonnier? Gisèle Halimi, avocate à Paris. À Paris. Encore un avocat qui va défendre les terroristes et transformer le prétoire en tribune politique. Oui, monsieur le bâtonnier. En oubliant, bien sûr, toute règle de courtoisie à mon égard et les visites traditionnelles. Justement, monsieur le bâtonnier, je viens me présenter. Je plaide demain au tribunal militaire et il peut y avoir des incidents. Des incidents? Je vais demander le renvoi, parce qu'on m'a empêché d'arriver à temps à Alger pour préparer ma plaidoirie, et parce qu'il n'y a pas eu d'enquête. Et je vais avertir le bâtonnier de Paris dont je dépends. N'en faites pas un enjeu personnel, maître. Ici, on n'apprécierait pas. Le tribunal d'Alger doit faire respecter le droit, comme partout en France. C'est pourquoi je vous demande d'assister à l'audience avec moi. Mais dites donc. Pour garantir l'exercice de la justice. Vous n'avez pas à me dicter ma conduite. Je ne me permettrai pas, maître. D'ailleurs, vous avez tous les éléments pour décider vous-même. Nous verrons ça demain. Madame, il y a deux femmes qui vous attendent dehors. Pourquoi dehors? L'hôtel est interdit aux musulmans, madame. Qu'est-ce que c'est que ce règlement raciste et imbécile? Je n'y peux rien, madame. C'est comme ça. Jamila, kharjouha li min habs, kharjouha li min habs, kharjouha li. Kharjouha li min habs, Jamila. Kharjouha li min habs, selki li Jamila. Mama vous demande de sauver Jamila. Oui, je comprends l'arabe. Rabbi kou ma tawlch alina had el guerra. العسكر اللي راه يقوه قدامهم راهم يحبسوه يعذبوهم ويسرقوهم القوير تاع الهيه ناس ملاح نغبنوا وشافوا القيره والكستابو بصح ربي ما ينساهمش والقوير تاع هنايا حراقين يبغوا غير الحوايج الملاح يبغوا السميشه كي الهوش وما يحبوش يخلونا يحرمونا من الحريه تاعنا. Vous pouvez me faire confiance. Je ferai tout mon possible pour Jamila. عيني العزاز نمدهم على جميلة. Bonjour جميلة. Bonjour maître. Tu peux m'appeler Gisèle. Ça te va bien le chignon? C'est une amie Zakia qui m'a coiffée. Elle aussi elle a été torturée.
Elle a encore plein de traces. Là et là. J'ai rencontré ta mère et ta sœur. Nefissa, je m'en ai traité aussi. Et pourtant, elle est enceinte. On aura besoin de son témoignage. Assieds-toi. Si tu es d'accord, demain, je vais demander le renvoi du procès pour supplément d'enquête. Il est possible que le juge t'interroge sur ta famille, ton parcours. Je sais ce que j'ai à dire. J'ai décidé de lutter pour l'indépendance de mon pays. Continue. Au début, le FLN, j'avais de la sympathie pour lui. Mais je voulais pas perdre mon temps à militer. Ce que je voulais, c'était devenir infirmière, faire mes études. L'école, j'ai toujours aimé ça. J'avais des bonnes notes. Tu peux vérifier. Et puis on m'a dit que je serais jamais infirmière, parce que je suis algérienne. Les Algériennes, elles ont droit de faire le ménage, c'est tout. Ce pays, c'est le nôtre. Et les Français nous prennent tout. Tu trouves pas ça injuste? Tu trouves ça normal? Tout pour les Français, nous on crève, pire que des animaux. Mais c'est ça le système colonial. Je le connais bien, tu sais. Ma famille vivait en Tunisie depuis toujours. Mais t'es pas arabe, toi? Non, je suis juive. Ah bon? Et française. Parce qu'en Tunisie, les juifs, ils ont eu le droit de devenir français. En Algérie aussi, grâce au décret Crémieux. Mais on nous faisait bien sentir la différence. Français de France, arabe, juif. Ça m'a toujours révolté que les gens ne soient pas tous égaux. Hommes ou femmes, chrétiens ou musulmans. Et c'est pour ça que tu es devenue avocate? Sûrement. Et ça fait combien de temps que tu es avocate? Bientôt 10 ans. Mais c'est toi qui poses les questions maintenant. Mais oui, d'égal à égal. D'accord. Mais continue. Explique-moi comment tu es devenue une militante. En même temps que mes études, je travaillais comme aide-soignante dans un hôpital. J'étais sûre que j'étais capable de devenir infirmière. Je suis allée voir la directrice. Je lui ai demandé si je pouvais vraiment pas passer mon diplôme. Elle m'a dit non. Les musulmanes, elles n'ont pas le droit de se présenter. C'est comme ça, c'est le règlement et c'est tout. Il n'y a pas d'explication. Quand je l'ai quittée, je pleurais. Le lendemain, j'ai volé des médicaments. Je les ai donnés à des voisins pour des camarades du FLN. Après, j'ai fait des liaisons, des missions de renseignement. Toujours pour ses voisins. Et pour d'autres. J'ai caché dans ma chambre des responsables de maquis. Mais tu sais, c'est pas pareil ici à la France. Les filles et les garçons peuvent être dans la même chambre. Ils ne se touchent pas. Est-ce que tu crois que je suis encore vierge? La bouteille ne m'a peut-être pas abîmée partout. Dans ton dossier, il y a un rapport du médecin qui ne dit rien à ce sujet. Il t'a examiné? Quand je lui ai raconté ce qu'on m'avait fait, il m'a dit « Oh, c'est pas méchant. C'est pas méchant, tout ça. » Il t'a fait déshabiller? Non. Il m'a fait comme ça. Et il répétait « C'est pas grave. C'est pas grave. » Il faut que tu signes ta déposition. Demain, ce sera dans ton dossier. Demain, voilà, je sais pas comment il faut s'habiller pour aller au tribunal. Mais qu'est-ce que tu as dans ta garde-robe de prison? Zakia, elle peut me prêter un tailleur bleu. Le bleu, c'est correct, non? Ah oui, très correct. À mon commandement. Bravo. Présentez... Ah!
Pour l'ensemble. Repos. L'audience a été fixée à 8h30, nous allons commencer. J'avertis le tribunal que la prévenue ayant confié sa défense à une avocate parisienne, maître Gisèle Halimi, je ne plaiderai donc pas. Où est-elle, cette avocate? Mais je l'ignore. Tant pis, allons-y, greffier. Le tribunal permanent des forces armées d'Alger a convoqué aujourd'hui, 19 mai 1960, à 8h30, la prévenue Boupacha Djamila, 22 ans. Maître, le tribunal militaire n'est pas à votre disposition. Monsieur le Président, veuillez accepter mes excuses. Des difficultés de liaison téléphonique avec le bâtonnier de Paris dont je dépends. Greffier, continuez. Je demande l'autorisation au tribunal de me retirer. Accordé. Allez, l'acte d'accusation maintenant. La prévenue est accusée d'avoir déposé une bombe à la brasserie de la faculté à Alger le 20 septembre 1959. Elle a reconnu les faits et elle a renouvelé ses aveux devant le juge Bérard. La parole est à la défense. Monsieur le Président, Djamila Boupacha risque la peine de mort pour les faits qui lui sont reprochés. Coupé en deux, le corps de cette jeune fille de 22 ans, un matin à l'aube dans la cour de la prison de Barberousse, allez-vous endosser cette responsabilité ? Effet de manche, maître. Vous savez très bien que vous obtiendrez une grâce présidentielle. Le général de Gaulle a déclaré la paix des braves et il n'y a plus d'exécution de terroristes du FLN à Alger. C'est faux. Ces jours-ci, les exécutions ont repris. Ce sont des droits communs. Cela arrange tout le monde de le prétendre, mais on n'en sait rien, puisqu'à Alger, les droits de la défense sont bafoués. Je suis l'avocate de Mademoiselle Boupacha. Et j'ai été contrainte par les autorités de limiter mon séjour à Alger à 48 heures. Le dossier d'instruction de l'accusé est incomplet et ne permet ni débat ni jugement. Par conséquent, je demande au tribunal le renvoi du procès pour complément d'enquête. Dans le cas contraire, je refuserai de plaider pour ne pas cautionner un simulacre de justice. La France n'est pas en guerre. Depuis le début de la guerre d'Algérie, le pouvoir politique se défausse sur l'armée en lui confiant la justice civile, ce qui lui permet d'absoudre les faits de torture. Ça suffit, maître. C'est vraiment hors de propos. Pour assurer le bon déroulement de l'audience, j'ai demandé à maître Lacquière, le bâtonnier d'Alger, d'y assister. Où est-il ? Je sais bien que le FLN égorge nos soldats. Je n'ai pas du tout envie de m'apitoyer sur le sort des terroristes, même des jeunes filles comme Boupacha. Néanmoins, le droit sacré de la défense exige qu'elle soit libre et complète. C'est pourquoi, sur requête du bâtonnier de Paris avec qui je me suis entretenu par téléphone, je m'associe à la demande de renvoi. La parole est au commandant Souillard, commissaire au gouvernement. La terroriste doit être condamnée. Elle a avoué, et les preuves au dossier y suffisent amplement. La défense tente des manœuvres dilatoires. La défense a-t-elle quelque chose à rajouter ? Non. Le tribunal va délibérer. L'audience est suspendue. À mon commandement. Tamo ! Thank you.
messieurs, la cour. Pour l'ensemble, repos. Au nom du peuple français, le tribunal militaire d'Alger décide le renvoi de l'affaire Boupacha à ultérieurement. L'audience est levée. Félicitations pour ce matin. C'est un beau succès. Merci. Mais ce n'est qu'un début. Maintenant, il faut obtenir une véritable enquête. J'y veillerai. Et surtout, une expertise sérieuse des blessures de Jamila. Parce que là, nous la tenons, la preuve que l'armée française continue à torturer. Bien sûr, bien sûr. Et ça, malgré toutes les belles déclarations. De Gaulle interdit, André Malraux affirme qu'on ne torture plus, et pendant ce temps-là, l'armée fait ce qu'elle veut. Maintenant, ça suffit. La vérité, il faut que les Français la connaissent. L'examen de mes blessures, il faut qu'il le fasse vite. Parce que, tu sais, les cicatrices, elles commencent à partir. Par une femme, ce serait mieux. Oui, c'est ce qu'il faut obtenir. Tu reviendras quand à Alger? Je ne sais pas encore. D'abord, il faut déposer la plainte en torture. Il faudra que tu m'écrives une lettre avec tous les détails de ce qui s'est passé. Je me souviens de tout. On peut rien oublier. Mes sœurs sont joyeuses. Le renvoi de mon affaire, c'est un peu leur victoire à toutes. C'est l'heure, maître. Merci pour ce que tu as fait. C'est maintenant que ton affaire commence, Jamila. On ira jusqu'au bout. Le procureur général m'a chaleureusement félicité. Oui, c'est un gars bien. Il a été nommé à Alger il y a quelques mois. Mais il doit avancer avec prudence. Qu'est-ce que vous surveillez? Ici, on est menacé. Les libéraux, les gens comme le procureur ou comme moi, leur paraissent encore plus dangereux que le FLN ou les communistes. Faites attention, vous aussi. Vous êtes surveillé par la police? Il y a surtout les ultras. Ils sont prêts à tout pour que rien ne change, pour que l'Algérie reste française. Ce sont les plus dangereux. Vous pourriez venir vous installer en France? Oui. Oui, mais vous savez, moi, je suis né ici et ma femme aussi, alors. Quitter ce pays, c'est difficile. Enfin, peut-être. Alors, et vous, Gisèle? Vous semblez en pleine forme. Oui. Mon divorce, c'est de l'histoire ancienne. Depuis que j'ai rencontré Claude il y a 2 ans, ma vie a changé. Il veut m'épouser. Ah, c'est formidable. Et toujours le secrétaire de Jean-Paul Sartre? Ah oui, il travaille pour lui tous les jours. Vous voilà entouré d'intellectuels qui partagent vos convictions. C'est pour ça que vous êtes si forte. Hein. Vous m'inviterez à la noce. Enfin, si on survit à tout ça. Arrêtez avec vos idées noires. Restons en contact, Poppy. Téléphonez-moi de temps en temps. Merci, Gisèle. Vous avez raison. Faut croire à l'avenir. Faut espérer. Mais Poppy ne me téléphona pas et je ne devais plus jamais le revoir. Quelques semaines plus tard, cet avocat libéral fut assassiné dans la ville qu'il aimait par des fanatiques de l'Algérie française.
Ces faits sont d'une exceptionnelle gravité. Loin d'être isolés, ils sont la preuve de la pratique systématique des tortures, préalable à toute information judiciaire. Les villas, dites centres de tri, et aménagées en locaux de torture, fonctionnent sans la moindre clandestinité. Plus que jamais, l'armée torture en Algérie. Veuillez agréer, etc. Vous joignez une copie de la plainte en torture et on en envoie plusieurs exemplaires au général de Gaulle, à Michelet, le ministre de la Justice, André Malraux et les journaux. Allô? Oui, ne quittez pas. C'est le président de la Ligue des droits de l'homme. Je prends. Monsieur Daniel Mayer? Oui, je vous passe Maître Halimi. Daniel? Oui, il faut absolument que je vous voie. Qu'est-ce qu'on peut dire, hein? Qu'est-ce qu'on peut dire à part qu'on a honte? Les Français se conduisent comme des nazis et De Gaulle laisse faire. J'ai écrit à plusieurs ministres. Vous avez alerté la presse? Oui, bien sûr. Le Monde, l'Express. François Mauriac m'a promis d'en parler dans son bloc-notes. J'espère que ça va déclencher d'autres articles. Ce soir, je préside un meeting pour la libération de Georges Arnaud. Venez, je vous ferai venir à la tribune. Merci. Djamila Boupacha est une jeune Algérienne de 22 ans, agent de liaison du FLN. Elle risque la peine de mort parce qu'elle est soupçonnée d'avoir déposé une bombe dans un café. Il n'y a aucune preuve, aucun témoin. Personne ne l'a vue et la bombe n'a pas explosé. Il n'y a donc pas de victime. Mais Djamila a avoué. Pourquoi? Parce qu'elle a été torturée atrocement par les militaires malgré l'interdiction du gouvernement. Et la commission de sauvegarde, à quoi elle sert? Théoriquement, à surveiller les pratiques de l'armée. Pratiquement à rien. Et Malraux, il raconte n'importe quoi? Quand il assure que la torture en Algérie, c'est fini, effectivement, André Malraux cautionne la politique de Gaulle en fermant les yeux quand ça l'arrange. C'est honteux, il faut les obliger à faire quelque chose. Je suis d'accord avec vous, et c'est bien pour ça que je suis là. Parce que j'ai besoin de votre soutien, et du soutien de l'opinion publique. Monsieur le directeur de cabinet veut vous recevoir. Monsieur le ministre a lu votre lettre avec attention. Vous comprendrez que son agenda est très chargé et qu'il ne peut vous recevoir lui-même. Permettez-moi d'insister. Cette affaire est extrêmement grave. En avez-vous informé votre ministre de tutelle, le garde des Sceaux? Bien sûr. Et le ministre des Armées, monsieur Mesmer? Mais c'est l'armée qui pratique les interrogatoires sous la torture. Ça serait invraisemblable que le ministre ne le sache pas. Monsieur Malraux pense nécessaire de lui faire parvenir une copie de votre lettre. Il est disposé à le faire lui-même. C'est reconnaître que les militaires n'obéissent à aucune hiérarchie. Nous dirons certains militaires. Écoutez, chère madame, je pense qu'aujourd'hui, nous devons rester là. Je vous souhaite beaucoup de réussite dans la défense de votre cause. J'espère que monsieur Malraux comprendra le sens de ma démarche. Si on nous a menti sur la torture, les journalistes ne le rateront pas. Bien sûr, bien sûr. J'en informerai monsieur le ministre. Allez les enfants, on va manger. Dépêchez-vous. Et bien. Le pof, hein. Qu'est-ce qu'on mange pour le dîner? C'est timide, hein. Très timide, cet article de François Mauriac. Écoute. Les coups de talons dans les côtes, les brûlures à l'électricité, le supplice de la baignoire, nous connaissons cela et nous ne sommes pas obligés d'y croire. Je comprends pas. Au téléphone, il semblait convaincu. Il m'a promis de lancer un appel à la conscience de tous, un véritable cri. Là, c'est plutôt un murmure. Continue. Qu'on n'attende pas de moi que je dise pourquoi Mademoiselle Boupacha demande qu'un gynécologue soit désigné comme expert. Qu'est-ce qu'on peut attendre de lui, alors? Un écrivain qui a peur des mots, c'est le comble. Oui? Mais oui, oui. Bah, Gisèle et moi aussi, oui. Je vous remercie. Simone de Beauvoir vient de rentrer de Cuba, avec Sartre. Elle a lu l'article de Mauriac. Et? Elle dit que ce vieux salaud de Mauriac est un hypocrite. On est bien d'accord. Elle est d'accord pour te voir. Parfait. J'ai obtenu le renvoi.
mais je viens de recevoir la date du procès. Dans 3 semaines. C'est beaucoup trop court pour boucler correctement l'enquête. Elle risque la peine de mort ? Bien sûr. Mais même si on obtient un recours en grâce, ça veut dire qu'elle va croupir indéfiniment en prison alors qu'elle est innocente. Donc vous voulez que j'écrive un article dans Le Monde ? Oui. Je vous ai apporté le texte de la plainte. Gisèle, vous êtes absolument convaincue de la sincérité de cette jeune fille sur tout ce qu'elle a subi ? Absolument. Elle emporte encore les cicatrices. Et quand elle raconte ses tortures, on voit bien qu'elle ne ment pas. Et la bombe, elle l'a posée ? Elle dit que non, et je la crois. Mais même si elle était coupable, je la défendrais de la même manière. Vous savez bien que je suis favorable au combat du FLN. Je suis pour l'Algérie indépendante et contre la torture. Et vous aussi ? Évidemment. Mais vous ne répondez pas vraiment à ma question. Donc vous pensez qu'elle peut avoir posé cette bombe ? Mais non, je ne le pense pas. Il n'y a ni preuve, ni témoin. Une bombe a été déposée, on ne sait pas par qui, et elle n'a pas explosé. Voilà les faits. Vous êtes rassurée ? Je n'ai pas besoin d'être rassurée. Je veux écrire un article convenable. Pour lundi, ça ira ? Merci de votre soutien. Cher maître, je vous remercie infiniment pour toutes vos démarches. J'ai une très grande confiance en vous. Et mon sort me paraît merveilleux depuis que je vous ai connu. On a une réponse de la présidence de la République. Donnez. Votre communication a retenu toute l'attention du général de Gaulle. On est bien avancé. Allô? Bon, j'ai terminé l'article. Est-ce que vous voulez que je vous le lise avant de l'envoyer ? Ah oui, bien sûr. Ce qu'il y a de plus scandaleux dans le scandale, c'est qu'on s'y habitue. Il semble pourtant impossible que l'opinion demeure indifférente à la tragédie qu'est en train de vivre une jeune fille de 22 ans, Jamila Boupacha. Le journal a publié l'article in extenso ? Oui, à part ça. Après m'avoir attachée dans une position spéciale, on m'enfonça dans le ventre le goulot d'une bouteille. Simone de Beauvoir avait écrit, on m'enfonça dans le vagin. C'est probable que la rédaction ait jugé l'image trop crue. Et regarde, ça c'est formidable. Attends, c'est où ? Oui. Quand les dirigeants d'un pays acceptent que les crimes se commettent en son nom, tous les citoyens appartiennent à une nation criminelle. C'est magnifique. Tous les citoyens appartiennent à une nation criminelle. Dernièrement dans le journal Le Monde et signé par la ministre Simone de Beauvoir, le gouvernement déclare que cet article mensonger comporte de nombreuses contre-vérités notoires. En effet, l'inculpée, Mademoiselle Boupacha, a été expertisée par un médecin qui n'a trouvé aucune trace de torture. Et ça commence. Ils vont tout faire pour amoindrir la portée de l'article. Le renseignement est une thèse qui n'est étayée par aucun témoignage sérieux. On se souvient d'affaires similaires qui n'ont jamais ré. Ah. Merci. Le journal a été saisi à Alger. Quoi ? Sur ordre du Premier ministre. Mais tu verras, ça n'empêchera pas les réactions de protestation. Un habitant de la Loire-Atlantique. Ancien résistant, cela me rappelle, hélas, les procédés de la Gestapo. J'y vais. Maître Gisèle Halimi ? Oui, c'est moi. Nous avons lu l'article. Jusqu'ici, on ne s'était jamais engagé pour aucune cause. Nous sommes à la fac en médecine, nous n'avons pas le temps. Mais là, on voudrait faire quelque chose pour Jamila. Très bien. Il en arrive de partout des lettres. Un sac plein. Merci, Madame Brunet. Venez, suivez-moi. Entrez. Alors, laissez-nous votre adresse. Et votre numéro de téléphone, si vous l'avez. Allô ? Oui ? C'est l'éditeur René Julliard. Je prends. Allô ? Tout de suite ? Non, 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 c'est parfait. Françoise Sagan accepte de me rencontrer. Françoise Sagan ? En personne.
C'est en Normandie. Je reviendrai ce soir. Vous prévenez Claude ? Françoise Sagan va écrire un article pour l'Express. Oui, je sais. Elle m'a téléphoné. Merci. C'est un raz-de-marée. Célèbres ou inconnus, ils veulent tous participer. Ouais, les lettres de soutien arrivent du monde entier. Italie, Angleterre, Égypte, Israël. Je voudrais constituer un comité pour Djamila Boupacha. Cette jeune fille peut devenir un symbole de la lutte contre la torture. Est-ce que vous accepteriez de le présider ? Évidemment. Quelle drôle de question. Le comité réunit un très grand nombre de personnalités, toutes tendances politiques confondues, de la droite à la gauche. Nous avons édité des tracts pour diffuser le récit de Djamila et nous avons pris la décision de tout faire pour obtenir un nouveau renvoi du procès. Je fus reçue par le président de la commission de sauvegarde des droits et des libertés. J'ai télégraphié au tribunal d'Alger pour appuyer votre demande de renvoi et j'assisterai au procès de Mademoiselle Boupacha à Alger le 17 juin. C'est une bonne nouvelle. Je vous rappelle que le tribunal est souverain et décide en dernier ressort. Vous voulez dire, monsieur Patin, que si Djamila est condamnée, vous ne ferez rien ? Non, mais ce n'est pas bien grave, puisque même si le tribunal demande la peine de mort, vous savez bien que votre petite protégée ne sera pas exécutée. Aucune femme n'est décapitée en Algérie, et toutes ces jeunes terroristes, les Boupacha et autres, sont aussi bien en prison que dans la rue à recommencer leurs bêtises. Et les tortures, qu'est-ce que vous en faites ? Bon, les tortures. Et qu'est-ce que vous en savez d'abord ? Mais c'est à vous qu'il faut poser la question. Qu'est-ce que vous en savez ? C'est vous le président de la commission de sauvegarde des droits et des libertés en Algérie ? Ce n'est pas facile d'enquêter sur les pratiques de l'armée. C'est incroyable d'entendre ça. Vous êtes là pour ça. Écoutez, maître, madame... Maître. Les choses se passeront peut-être bien. Grâce à la dernière réforme, le tribunal militaire d'Alger est supprimé. Désormais, les juges seront des civils. Effectivement, c'est mieux. N'est-ce pas ? Quand arrivez-vous à Alger ? Le 7 juin. Mais mon autorisation de séjour se termine 3 jours avant le procès. C'est complètement absurde. C'est regrettable, en effet. Vous ne pourriez pas intervenir ? Auprès de la préfecture de police ? Vous ne pensez pas, ces gens-là sont très susceptibles. Donc vous allez tomber en plein dans un autre procès, celui de Henri Alleg et des communistes d'Alger. Tous ces journalistes... Ils auront accès au tribunal ? Pourquoi non ? Le gouvernement respecte la liberté de la presse. Vous plaisantez ? Le Monde, avec l'article de Simone de Beauvoir, a été interdit. Mais ça, c'est Alger qui a pris la décision. Sur ordre du Premier ministre. Mais non, c'est de la désinformation. Vous savez, avec les événements, il est très dur de faire respecter par Alger les principes de la démocratie tels qu'on l'entend dans la France métropolitaine. Je repartis pour Alger sans avoir réussi à faire modifier mon autorisation de séjour. Le soir de mon arrivée, je saluais Léo Matarasso, l'avocat de Henri Alleg, dont le procès devait avoir lieu le lendemain. T'as vu tous ces journalistes ? Même les communistes n'ont pas été inquiétés. De Gaulle veut montrer qu'il défend la liberté d'information. J'en ai une bonne d'information. Demain, le tribunal va demander le huis clos. Tu es sûr ? Ce serait incohérent. Au contraire. Le système est parfaitement huilé. Paris autorise les journalistes à venir à Alger, mais le tribunal leur interdit d'assister au procès. Conséquence ? On ne saura rien des faits de torture dénoncés par Henri Alleg. Une fois de plus, l'armée est protégée. En toute légalité. Il ne faut pas se laisser faire, ma petite Gisèle. Ils se croient les plus forts. On va leur démontrer le contraire. J'ai pu venir. Oh oui, quelle chance. Je suis là, oui. Mais je ne sais pas si je pourrais plaider à ton procès. Pourquoi ? Mon permis de séjour se termine avant. Je vais remuer ciel et terre. Mais c'est pas possible. Tu dois rester. Je veux pas être seule. Je veux pas. Tu sais, ma sœur, Nefissa, elle a perdu son enfant. Elle a fait une fausse couche. C'est les interrogatoires. Ils lui ont tellement tapé dessus. On le fera savoir, ça aussi. Djamila.
Quelles que soient les circonstances, tu ne dois plus jamais te sentir seule. Ton nom est cité partout. Les articles de Françoise Sagan et Simone de Beauvoir ont créé des réactions incroyablement nombreuses. Il y a un comité pour ta défense. Simone de Beauvoir le préside. Simone de Beauvoir ? Est-ce que je vais la rencontrer ? Quand tu seras libre, sûrement. Tu sais, malgré toutes les interdictions, j'ai réussi à me procurer l'article du Monde. Comment tu as fait ? Je peux pas le dire. Mais je l'ai lu. 10 fois, 20 fois. Quel article, hein ? Pour tous les militants en prison, il faudrait des Simone de Beauvoir. Sous de la rôle, je me chpelle. Tu as compris. De nos montagnes s'élève la voix des hommes libres. Les Algériens, ils veulent être comme vous, ils veulent être libres. C'est pour ça qu'on se bat. Des fils, s'ils étaient Algériens et assez grands pour prendre un fusil, bien ils iraient, c'est sûr. Ils ne tueraient pas des innocents. Ils ne poseraient pas des bombes. Je t'ai dit que je l'avais pas posé, la bombe. Mais tu étais prête à le faire. Je l'ai pas fait. Je te dis la vérité. Tu sais, le terrorisme, c'est l'arme de ceux qui peuvent pas se défendre. Ça a toujours été comme ça et ça continuera. C'est quand on est très jeune qu'on accepte ce genre de raisonnement. Après, on devient un père, une mère, et on mesure le prix de la vie. Toutes les vies n'ont pas le même prix. Comment ils sont tes enfants ? Tu as des photos ? Bien sûr. Comment ils s'appellent ? L'aîné Jean-Yves et le plus jeune Serge, mais on l'appelle Kamoun. Kamoun, c'est de l'arabe. Oui, le cumin. Ils sont beaux. Tu as de la chance. Toi aussi, tu vas te marier et avoir des enfants. Je crois qu'un homme voudra de moi si la bouteille m'a abîmée. Chez nous, c'est différent de chez vous. La jeune fille, elle doit être vierge. Tu n'es pas responsable. Tu es une militante. Tu aurais pu perdre un bras ou une jambe. Mais c'est moins grave. Être amputée, c'est moins grave. Tes frères militants comprendront. Tu épouseras un militant. Qu'est-ce qui se passe ? Il n'y aura aucun journaliste. Le tribunal a ordonné le huis clos. Henri Allègue sera jugé à huis clos. Scandale ! La liberté de la presse est bafouée. Et le président du tribunal, ce n'est pas un civil, mais un militaire qui a enlevé son uniforme. On nous a promis une réforme, mais c'est une mascarade. Le tribunal est toujours aux mains des militaires. Désormais, mon but est clair, obtenir que Djamil Aboupacha soit jugé en France par un tribunal vraiment civil. L'article de Simone de Beauvoir a beaucoup irrité les militaires. Et le nouveau juge d'instruction ne va pas apprécier qu'on le dessaisisse aussitôt. Mais la justice n'est pas rendue. La preuve, mon permis de séjour se termine 3 jours avant le procès. Ça, c'est franchement anormal. Je vous promets d'intervenir. Vous aurez votre prolongation. Je m'y engage personnellement. Maître Gisèle Halimi, un pli pour vous. Oui. Merci. Les salauds. Ils m'ont prolongé, mais seulement de 24 heures. C'est clair qu'ils veulent étouffer ce nouveau procès en torture. Mais toi, comme t'as rendu public la plainte de Djamila, ils essayent de t'éjecter de l'affaire. Mais... ils te connaissent mal. Hein, ma petite Gisèle ? Ça, je ne compte pas me laisser faire. Mais en attendant, est-ce que tu peux assurer la défense de Djamila à ma place ? J'étais sûr que tu trouverais une solution. Le but, c'est que tu obtiennes le dessaisissement du tribunal d'Alger. Il me semble que j'avais compris. Je ne plaisante pas. Moi non plus, malheureusement. Et Claude ? Qu'est-ce qu'il pense de ton implication dans cette affaire ? Il est très solidaire. C'est un compagnon merveilleux.
Vous faites un beau couple. Je suis jaloux. Arrête. J'ai tout essayé. Je dois quitter Alger tout à l'heure. Maître Matarasso va plaider à ma place. Tu peux avoir confiance. C'est un très grand avocat et un ami. Le président de la commission de sauvegarde va venir assister à ton procès pour s'assurer que tout se passe normalement. Est-ce que je pourrais lui parler ? Ce n'est pas prévu, mais... Il faut que je lui parle, Gisèle. Il faut qu'il me croie pour les tortures. Il faut faire... Comment on appelle ça ? Une restitution ? Une reconstitution ? Oui. Je vais lui expliquer ce qu'ils m'ont fait. Lui montrer les pièces où on torture avec les fils électriques et les baignoires. Il faudrait que ça ait lieu à l'improviste. Que les militaires n'aient pas le temps de tout effacer. Fin du parloir dans 5 minutes, maître. J'espère que la prochaine fois qu'on se verra, ce sera en métropole. J'allais oublier. L'article de Françoise Sagan. Comme elle a l'air jeune. 25 ans. Presque le même âge que moi. Alors, vous pouvez aller répondre. Qui s'est couché tard ? Moi. Qui a oublié de faire ses devoirs ? Moi. Oh, c'est la Jari. Maître Matarasso. Allô ? Quoi ? Toi aussi ? Bien sûr. D'accord, rappelons-nous quand tu es rentrée. Qu'est-ce qui se passe ? C'est terrible. Ils m'ont expulsée, ils expulsent Matarasso. Jamila n'aura pas d'avocat parisien. Merci d'être venus nombreux apporter votre soutien à Jamila Boupacha. Je vous annonce que Lucie Faure, Hélène Parmelin, Germaine Tillon, Bianca Lamblin, et Anis Postel-Vinet, ancienne résistante... De nouvelles personnalités rejoignirent le comité qui, inlassablement, continuait son travail d'information. Voici un témoignage rare et important. C'est une lettre du père de Jamila Boupacha, lui aussi affreusement torturé. Lisez. Les militaires l'ont fait déshabiller. Ils l'ont attaché nu sur une planche. Et un des tortionnaires lui a marché sur les épaules. Puis ils lui ont bandé les yeux et mis un tuyau de caoutchouc dans la bouche. Arrêtez ça, c'est pas... J'ai été frigorifiée. Le tuyau dans la bouche, que la femme, elle est enceinte en 9 mois, et moi, j'ai été enceinte en 9 secondes. Après, c'est la séance de l'électricité. Je me suis considérée comme un poisson dans une poêle sur le feu. Au bout d'une demi-heure environ, j'ai été presque mort. Le lendemain, les interrogatoires ont repris par un agent de la sûreté, grand et pâle, avec un béret. J'ai dit, le général de Gaulle est contre les tortures. Il m'a répondu, ici ce n'est pas de Gaulle qui commande, c'est nous qui commandons. Quelques jours plus tard, le comité Boupacha fut reçu par le garde des Sceaux, Edmond Michelet. J'entends vos arguments, mesdames. Et j'approuve votre action. D'ailleurs, la commission de sauvegarde a pointé quelques dysfonctionnements. Je vous conseille de rencontrer son président, M. Maurice Patin, qui vient d'entrer d'Algérie. S'il accepte de nous recevoir. J'y veillerai personnellement. Je dois dire que l'aspect féminin de votre mouvement de solidarité est tout à fait remarquable. Le viol subi, je crois que toutes les femmes ressentent la douleur et la honte. Mais heureusement, nombreux sont les hommes qui soutiennent notre démarche. Voyez-vous, mesdames, c'est du nazisme que nous vient cette gangrène de la torture. Monsieur le ministre, vous avez été un grand résistant. Vous devez vous opposer à ces méthodes. Bien sûr. Mais la gangrène envahit tout, elle pourrit tout. On ne peut pas l'enrayer. Quel aveu d'impuissance. Nous approchons de la fin. Tôt ou tard, l'Algérie sera indépendante, c'est inéluctable. Et en attendant ?
Vous avez un rôle à jouer, c'est certain. Mesdames. Monsieur le conseiller d'amour, membre de la commission de sauvegarde qui m'a accompagné dans mon dernier voyage en Algérie. André Postelvinet. Si j'ai accepté de vous recevoir, c'est à la demande expresse du garde des Sceaux. J'ai vu beaucoup d'affaires de torture, monsieur le président. Les plaintes n'ont jamais abouti. Les magistrats et les policiers d'Algérie étouffent les affaires. C'est pourquoi notre comité s'est constitué avec le soutien de l'opinion publique. L'opinion publique... Mais vous la manipulez, cette opinion. Madame, est-ce qu'on peut vraiment appeler torture les actes que vous dénoncez ? Et des excès. Quelques excès. Le soir, dans les postes militaires où cette jeune musulmane a été détenue, l'officier s'en va et après son départ, il ne reste que des jeunes. C'est ce que c'est. Des novices. Je ne vois pas où vous voulez en venir. C'est cette racaille qui commet quelques abus en dehors de la surveillance des officiers. Les officiers, madame, vous leur avez fait du chagrin avec votre article. Je les ai vus à Alger, je les ai interrogés. Ils sont très bien élevés. Ils sont gentils. Il y en a même un qui est ingénieur agronome dans le civil. Le fait que certains militaires soient gentils dans la vie courante est un comportement absolument normal. N'exclut pas qu'ils deviennent en certaines circonstances des torsionnaires odieux. D'ailleurs, vous avez commis un délit. Le journal Le Monde aussi. Vous avez publié une plainte et constitution de partie civile. C'est moi qui ai communiqué à Simone de Beauvoir les documents de procédure. Les règles qui s'appliquent à une affaire de justice de paix ne peuvent pas être les mêmes dans une affaire de torture. Et j'ai décidé d'écrire cet article. Ok, je ne sais pas si le ministre des Armées va déposer plainte ou non. On verra bien. Pour en revenir à Jamila... Cette jeune fille de 22 ans a été entre les mains des tortionnaires pendant 33 jours. Elle a subi des sévices irréparables. Ah oui, la bouteille. Racontez-moi ça, comment vous a-t-elle dit qu'elle lui avait été mise Elle était attachée à une planche, sur le dos, les jambes écartées. Et un homme lui a enfoncé le goulot d'une bouteille dans le vagin. Ah bon? Il ne s'agit donc pas du véritable supplice, comme en Indochine, vous savez. Voilà comment ça s'est passé en Indochine. On assoit l'individu sur une bouteille. C'est très violent, les intestins éclatent. D'ailleurs, on en meurt en général. Je suis compagnon de la Libération. Je sais par des témoignages de certains camarades qui en reviennent que dans toute l'Algérie, on pratique la torture. Je ne peux pas l'admettre. C'est même grâce à l'action de l'armée que l'ordre règne à Alger. Si vous justifiez les tortures et les exécutions... Non, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. La commission de sauvegarde a été mise en place par le général de Gaulle. Nous voulons croire à l'efficacité de son action. Mais notre rôle est difficile. Songez que... Je ne suis pas payé quand je vais en Algérie, n'est-ce pas, monsieur Damour? Nous en sommes de notre poche. Tous nos frais ne sont pas remboursés. Ben bon, nous avons vu votre cliente, nous l'avons interrogée. D'ailleurs, elle n'est pas sympathique. J'ai vu son père aussi et toute la famille. Ces gens-là n'aiment pas la France. Avec des bouteilles qu'on enfonce dans le vagin des filles, ce n'est pas étonnant qu'ils ne l'aiment pas, la France. Oui, ben enfin, elle se prend pour Jeanne d'Arc, elle veut l'indépendance de l'Algérie. Tout à 20 ans, nous nous sommes un peu prises pour Jeanne d'Arc. En entrant dans la résistance. Ce n'est pas la même chose, madame. Vous, vous êtes française. Il ne se passa rien pendant un mois. Et soudain, dans le plus grand secret, Jamila fut transférée de la prison d'Alger à l'infirmerie de la prison de Fresnes, près de Paris, pour pratiquer les examens d'expertise médicale. «
La détenue vient d'arriver à l'infirmerie. On est en train de la fouiller. Ton voyage. J'avais jamais pris l'avion. C'est formidable, l'avion. J'ai aperçu un bout de la tour Eiffel. Mais dans l'ambulance, pour venir ici, c'était fermé. J'ai rien pu voir. Bientôt, tu te promèneras dans Paris. Oh oui, j'espère. Et Simone de Beauvoir, je vais la voir? Actuellement, elle voyage. Istanbul, Athènes. Athènes. Ce sont les premières fleurs. Depuis que j'ai quitté Deli Ibrahim chez moi. Ça fait 6 mois. Mais tu es en France. C'est une première victoire. Maintenant, l'instruction de ton procès va reprendre en toute indépendance de l'armée. Et d'abord, l'expertise médicale. Mais il faut qu'ils se dépêchent parce que les cicatrices commencent à s'effacer. Oui, et le problème, c'est qu'on est le 21 juillet. Et au mois d'août, la France entière part en vacances. Toi aussi, tu vas partir? Mais oui. Il faut bien que je prenne un peu de vacances avec mes enfants. Mais je reviendrai vite. Je suis en France, mais je suis quand même prisonnière. Dépêchez-vous, les enfants, on va rater l'avion. Cabinet de maître Alimi, j'écoute. Ah, très bien. Merci beaucoup. Au revoir. Ça y est, le juge d'instruction a mandaté les experts. Ils sont en train d'examiner Jamila. Enfin! Bon, les enfants, changement de programme. Vous partez tout seul. Mais vos grands-parents vous attendront à l'aéroport et moi, je vous rejoins le plus vite possible. Sandwich au poulet, glace au café. Tu m'as dit que tu adorais ça. J'ai pas faim. La religieuse de nuit m'a donné un somnifère parce que j'arrivais pas à dormir. Tu le mangeras plus tard. Dis-moi, comment s'est passée la visite médicale? J'ai eu l'examen gynécologique. Le médecin, c'était une femme? Oui, mais c'était quand même très pénible. C'est fini. Il n'y en aura pas d'autres. Après, j'ai vu la psychologue. Elle était gentille. Vous étiez seule? Oui. Elle m'a posé plein de questions sur ma vie en Algérie. Si je sortais le soir avec des garçons. Elle m'a fait écrire pour l'analyse graphologique. Elle m'a conseillé de tenir mon journal en prison. Je sais pas pourquoi. Elle a dit qu'elle reviendrait me voir en septembre. Et les autres médecins? Les autres? Ils sont comme en Algérie. Ils m'ont interrogé quelques minutes à peine. Ils n'avaient pas l'air de me croire. Tu pars quand en vacances? Demain. Pour 3 semaines. Tu es bien traitée ici? Oui. Mais je me sens seule. Les religieuses, elles parlent presque pas et les détenues n'aiment pas les Algériennes. Ça le bicote, retourne dans ton pays. Elles m'ont dit l'autre jour. Parce que je voulais écouter la musique arabe à la radio. L'essentiel pour l'instant, ce n'est pas d'être aimé. C'est d'être respecté et d'avoir des droits égaux à ceux de tous. C'est pour ça que tu te bats, non? Tu as raison. Je sortirai bien de cette prison. Toujours la même routine. Le jour, j'attends ton retour. La nuit, les religieuses me donnent des somnifères. Écris-moi. Jamila. Cher Jamila, surtout ne te décourage pas. Le résultat des expertises va arriver d'ici quelques jours. Ne perds pas ton temps, lis et tiens ton journal.
Je pense à toi, Gisèle. J'ai interrogé longuement Jamil Abou Pacha. Je la crois incapable de mensonges ou de simulation. Moi aussi, dès le premier jour, j'ai su que Jamila disait la vérité. Maître, n'essaie pas de me convaincre d'une chose dont je suis déjà convaincue. Voyons. Je sais qu'elle a subi ces tortures. Je n'ai aucun doute là-dessus. Moi, je fais pas de politique. Les crimes du FLN ou les tortures des Français, pour moi, ce sont des crimes. Point. C'est vrai que cette fille est formidable. D'une vérité, d'une pureté. Non, je vous avouerai que là, j'en dors plus. Vous nous avez mis dans un sacré pétrin. Excusez-moi, mais pourquoi ? Parce que nous sommes 5 médecins experts et que nous devons rédiger un seul rapport. Le problème, c'est que pour l'instant, on n'arrive pas à se mettre d'accord. Sur quel point ? La bombe. Si elle a déposé cette bombe, certains médecins veulent qu'elle soit condamnée. Vous voulez dire que cela influencerait leur expertise ? Absolument. Ils sont prêts à nier toute trace de torture. Et il y en a un qui a très peur de l'OAS. Une peur irraisonnée, peut-être. Un médecin paranoïaque ? Ça, c'est intéressant. Ah non, mais vous croyez pas si bien dire. Quand le dermatologue a proposé d'écrire exactement tout ce qu'il avait constaté sur le corps de Jamila, celui-ci s'est exclamé. Vous voulez lui sauver la tête ? Vous faire abattre dans la rue en représailles ? Lamentable. Enfin, on arrivera bien à un compromis. Jamila, il va te falloir beaucoup de patience. Le rapport d'expertise médicale est terminé, mais il est parti à Alger, qui refuse de le communiquer. Tu ne peux pas rester plus longtemps ici, à l'infirmerie. On va te transférer à la prison de femmes de Pau, là où sont détenues les autres militantes algériennes. Tu viendras plus me voir. Ce qu'il faut, c'est que tu fasses des projets. Que tu reprennes tes études. Un jour, tu sortiras, il faut préparer ton avenir. Je te fatigue. J'en ai marre de moi. Mais comment peux-tu dire ça? Tu n'as pas le droit de perdre confiance. Tu dois rester forte. Tu vas gagner ton procès, j'en suis sûre. Et ce sera la première fois qu'on arrivera à condamner des militaires pour la torture. Grâce à toi. Grâce à toi, Jamila. Le comité continuait son travail d'information, indispensable, car en décembre, tout paraissait à nouveau bloqué. Le tribunal d'Alger ne voulait pas lâcher l'instruction, qui n'avançait absolument pas. Le procès de Jamila Abou Pacha pourra avoir lieu dans un futur proche. Heureusement, il y a un point positif. Jamila, emprisonnée à Pau avec d'autres militantes algériennes, passait le temps en complétant son instruction. 12 janvier 1961, au comité Jamila Abou Pacha. Permettez-moi de vous adresser mes vœux les meilleurs pour l'année 1961. Je souhaite par-dessus tout la paix. Et je sais que c'est aussi votre vœu le plus ardent. C'est parce qu'il y a des Français comme vous qu'on peut espérer pour l'avenir des relations amicales entre nos deux pays. En tant que futur journaliste, vous devez être particulièrement sensible à la défense de la liberté d'expression. Et c'est pourquoi la censure par le gouvernement du texte du manifeste des 121... Excusez-moi, maître. C'est la cour de cassation. Allô? Oui? Bien, merci. Merci. Là, vous avez un scoop. La cour de cassation a ordonné le renvoi de l'affaire Jamila Abou Pacha. Alger est enfin dessaisi pour cause de sûreté publique. C'est notre première grande victoire. Ça veut dire que Jamila échappe aux militaires? Oui. L'affaire est confiée à un juge d'instruction de Caen qui va tout reprendre à zéro. Et pourquoi ils ont désigné le tribunal de Caen? Jamila Abou Pacha est devenue un symbole de la lutte pour l'indépendance algérienne et le gouvernement fait tout pour limiter la publicité autour de ce procès. Et ce juge de Caen, qu'est-ce que vous en pensez? Monsieur Chausserie-Lapré, c'est quelqu'un qui va au fond des choses. Il a demandé l'audition de témoins à Caen, en particulier les militaires, gendarmes et officiers présents dans les centres de torture quand Jamila s'y est trouvée. Merci.
À défaut, ils réclament leurs photos. Leurs photos ? Oui, pour les faire identifier par Jamila. Mais pour l'instant, ils n'arrivent pas à les obtenir. Ça s'éternise, tout ça ? Oui. Et je suis inquiète pour Jamila. On l'a isolée dans une petite prison en Normandie, où il n'y a aucun prisonnier politique. Elle est traitée comme un droit commun, pas de livre, pas de quoi travailler. Eh bien, ça aussi, il faut le dénoncer. Gisèle, Sartre m'a dit que vous alliez vous marier. Oui, j'épouse Claude le mois prochain. Bien, bien. Tout de même, vous avez de la chance. Tous mes vœux de bonheur. Merci. Après bien des difficultés, le juge de Caen fixa 3 jours d'audition fin juin. Le premier jour était prévu pour la famille de Jamila. Ils étaient tous des témoins importants, car tous avaient connu le centre de tri d'Elbiar. Merci, 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 merci. Un ami nous a emmenés depuis Paris ce matin. C'est la Simad qui paie la chambre d'hôtel. La Simad Nassemlech, le Tzairien. Ma mère dit que la Simad, c'est des gens formidables pour les Algériens. Jamila, دوني نشوفها للحبسة هذا عام ما شتهاش يخصك نقعد نشوفها. Il faut d'abord que le juge vous interroge. Moi c'est fait. Déjà? Oui. J'ai tout raconté, tu sais. Quand j'ai vu mon père près de la mort, Jamila, mon mari torturé lui aussi. Puis la fausse couche. Je dois vous laisser. Je vais voir le juge. Merci. Merci. Ah, bonjour, maître. Vous avez fait bon voyage ? Oui, merci. L'instruction progresse, comme vous le voyez. J'ai examiné les éléments en ma possession. Voyez-vous, maître, bien qu'en étudiant, le déroulement des 33 jours qui ont suivi l'arrestation de la famille, je crois que Jamila Boupacha dit la vérité dans cette histoire de torture. Mais j'ai besoin qu'elle réponde à toutes mes questions. Même si ça lui paraît, et à vous aussi, un peu inattendu. Elle le fera. J'ai l'impression très vague qu'elle est... comment dirais-je ? Non, pas insolente, mais... Jamila est une militante. Elle lutte pour que l'Algérie soit indépendante. Je ne suis pas qualifié pour lui reprocher. L'affaire que je dois instruire, c'est celle des tortures, et j'irai au bout. Bien qu'avec Alger, je me heurte à la mauvaise volonté de l'armée et de la police. J'ai convoqué les témoins, la sœur, le père. Vous l'avez déjà entendu ? Elle aussi. Mais je ne le connaissais pas. Je ne l'ai jamais rencontré. Au moins, ce qui est sûr, c'est que vous n'avez pas pu lui dicter ses réponses. Votre lettre, nous l'avons lue en public, devant le comité. Les gens étaient bouleversés par tout ce que vous avez subi. J'ai dit la vérité. Les militaires m'ont torturé. J'ai réussi à obtenir une copie du rapport médical de son entrée à l'hôpital Maillot à Alger. On décrit en effet son très mauvais état. Écoutez, maître, la journée est chargée. Vous pouvez prendre le dossier. Et il a enfin obtenu d'Alger les rapports médicaux et administratifs qui confirment les affirmations des témoins. Et Jamila ? Quand aura lieu son interrogatoire ? Demain. Une journée entière est prévue. Jamila ! Jamila ! Wesh darouna kal hakarina binti ! Écartez-vous, s'il vous plaît. Mesdames, messieurs, ne perdons pas de temps. Allez, monsieur, écartez-vous. Allez, allez, laissez passer, s'il vous plaît. Si vous faites quelques questions pour la presse, est-ce que vous êtes content de les suivre passer à ce que vous êtes ? Tout de suite après l'arrestation, j'ai été emmenée à Elbiar. J'ai subi un premier interrogatoire. Essayez de raconter en détail. Ça fait 1 an, mais je me souviens de tout. Chaque moment, chaque mot, chaque geste.
Mourad. Jamal. Tu sais où ils sont? Tu vas par là où je te crève. Tu veux cacher dans ton lit, sale pute, hein? Des filles comme toi, c'est un baiser. Tu vas me parler, hein? Parle. Mais parle, bordel. Après, j'étais démolie. À moitié inconsciente. Je me suis réveillée dans une cave de 2 mètres. Sur 2 mètres 50 au sous-sol. Avec un soupirail. L'après-midi, ils sont venus me chercher. L'interrogatoire a repris. Jamal Bakhti, c'est eux qui t'ont donné la bombe. Quelle bombe? Elle nous prend pour des cons. Pas moi, j'ai pas posé de bombe. Si on t'a forcé à le faire, dis-le et on te relâche tout de suite. J'ai rien fait. Une belle petite comme toi. Qu'est-ce que tu fais avec cette bande de criminels du FLN, hein? On est tous du FLN, on veut la libération de l'Algérie, on n'en veut plus des gens comme vous. Tu vas regretter ce que tu viens de dire. Non, je regrette pas! Ah! Tiré de la cave. Ils m'ont amené à mon père, qui était défiguré par la souffrance des tortures. Ils m'ont giflé encore plusieurs fois, devant lui. Ils posaient tout le temps les mêmes questions aussi. Si on connaissait Jamal et Bakhti, c'était eux qui m'avaient donné une bombe. Ils m'ont confronté à ma sœur, Nefissa, à mon beau-frère, à des témoins qui m'ont pas reconnu. Ils m'ont battu encore, puis ils m'ont transféré à UCND. UCND, c'était la torture à l'électricité. Et ça, vous savez ce que c'est? C'est la Gégène, ça, c'est la Gégène. Mademoiselle, je vais vous demander de nous indiquer comment les militaires procédaient. Ce qui confirmera, hélas, que vous connaissez cet objet et ses effets. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec les fils? Monsieur le juge, cette reconstitution est de très mauvais goût. Laissez-moi faire. Si Mademoiselle Boupacha nous montre comment ça marche, c'est la preuve irréfutable de ce qu'elle a subi. Sinon, on l'aurait-elle vu. Un volontaire. Greffier, vous êtes volontaire? Oui, monsieur le juge. Ils ont mis comme ça. Mais ils m'ont craché dessus avec de la bière et les fils glissés. Ils les ont attachés avec du scotch. Après, ils m'ont attaché les fils partout sur le corps. Et puis là.
Le sexe? Oui. Je sais pas combien de temps ça a duré. Très longtemps, je crois. Ils étaient 9 hommes. Ils obéissaient au capitaine Para. Petit Croud, d'environ 40 ans. J'ai avoué tous les attentats d'Alger. La brasserie des facultés, le cocardie, partout. Ils ont dit, tu te fous de nous, les coupables, on les a déjà condamnés. Mademoiselle, je vais devoir vous interroger sur ce que vous avez subi par la suite. Il avait fallu 14 mois pour qu'un juge instruise sérieusement le dossier de Jamila et accrédite les actes de torture. Combien de temps faudrait-il encore pour démasquer ces tortionnaires? Un livre? Pourquoi pas? Ce n'est jamais inutile, un livre. Oui, parce que pour une fois, nous pouvons démontrer que les plus hauts responsables de l'armée et du gouvernement tolèrent les interrogatoires sous la torture et ne cherchent pas vraiment à les interdire. D'accord. Mais qui va l'écrire, ce livre? Eh bien, justement, j'ai pensé que vous pourriez le faire. Mais je n'ai pas le temps. Vous ne vous rendez pas compte, c'est un travail énorme. Et pourquoi pas vous? Vous êtes la mieux placée, vous connaissez le dossier par cœur. Mais je ne suis pas écrivain. Eh bien, peut-être que vous allez le devenir. Je me mis au travail. La rédaction progressait rapidement, au contraire de l'instruction, car le juge n'arrivait pas à obtenir d'Alger l'identité des tortionnaires. Pas moyen, donc, de les convoquer et de les confronter à Jamila. Il réclama alors des photos, mais on les lui refusa. Les semaines passaient, plus rien ne progressait. En novembre, comme beaucoup d'Algériens détenus en France, Jamila fit la grève de la faim pour protester contre une détention qui s'éternisait. Elle ne mange plus rien depuis 8 jours. Elle est complètement déshydratée. Vous ne lui donnez pas à boire? Bah, elle veut pas. Les Algériens veulent tous se laisser mourir. Vous auriez pu me prévenir plus tôt. Jamila, j'ai amené de Paris ta mère et ta sœur. Tu peux les voir au parloir. Tu veux que je t'aide à te lever? جميلة واش داروا لك الحقارين يا بنتي واش داروا لك الحقارين انت وليتي هكا واش داروا لك قولي لي خبريني شوفي ميمتك راهي دايره يا قولي لي واش سي الريغلمون سلكوني بنتي ايدي موا سي فو بلي جميلة جميلة ايدي موا. Enfin, après plusieurs semaines, Alger accepta de communiquer 3 photos de militaires. Le juge les mélangea avec plusieurs autres et convoqua Jamila.
Merci, monsieur. C'est le médecin qui m'a examiné à Elbiar. Photo numéro 7. C'est le lieutenant qui m'a tabassé à Elbiar. Numéro 2. Celui-là aussi, il est à Elbiar. Numéro 5. Celui-là, je l'ai vu, mais je me souviens plus. Je crois que c'est en France. Vous aussi, maître, vous le connaissez? Vous l'avez vu? Je ne me souviens plus. C'est le policier qui était là la dernière fois. Formidable, cette fille. Je dois l'écrire? Mais oui, oui. Écrivez. La fidélité de la mémoire visuelle de Mademoiselle Boupacha est excellente. Pourquoi est-ce qu'il n'y a aucune photo de ceux qui ont torturé Jamila à UCND? Il y a eu ce premier envoi, mais depuis, les autorités militaires d'Alger refusent de communiquer d'autres photos. On me demande de m'en tenir au procédé habituel d'audition et de confrontation. Parce qu'être confronté à une fille qu'ils ont torturée, c'est meilleur pour le moral des troupes. Non, mais c'est beaucoup plus compliqué à organiser. Pensez que je n'ai toujours pas la liste des militaires présents dans les centres pendant les 33 jours où il y a séjourné Mademoiselle Boupacha. Comment les convoquer? Où sont-ils maintenant? Et s'ils sont toujours en Algérie, comment les faire venir ici? À Caen? Non, le but de l'armée est clair. Tout faire pour éviter d'identifier les tortionnaires. Jamila Boupacha va déposer plainte. Jamila Boupacha va déposer plainte contre le général Ayret, commandant supérieur des forces armées en Algérie, et contre M. Mesmer, ministre des armées, pour recel de malfaiteurs. Les tortionnaires sont des malfaiteurs. Et pour atteinte à la Constitution, pour entrave à la justice. Voilà. Actuellement, nous sommes dans un pays sans justice. Un pays sans justice est un pays où tout le monde est coupable. Oui, merci. Au revoir. C'était Nefissa. Ça y est, Jamila est admise à l'hôpital de Caen. Pourvu qu'elle retrouve l'envie de vivre et de se battre. Bon, j'ai lu. Bon travail, précis, très clair. Alors, est-ce que vous acceptez de faire la préface? Ah oui, oui, il le faut. Et de signer le livre avec moi? Mais pourquoi donc, puisque c'est vous qui l'avez écrit? Il faut qu'on partage les risques. Je commets un délit parce que je transgresse le secret de l'instruction. Avec vous, ils n'oseront pas interdire le livre. En effet, vous avez raison. J'accepte. On le signera à deux. Attendez. Merci. Le livre parut au mois de janvier 1962. Il démontrait que les aveux de Jamila lui avaient été extorqués, comme au Moyen-Âge, sous la torture. L'armée française perpétuait la barbarie, et le gouvernement ne faisait rien pour l'arrêter. Mais le cours de l'histoire semblait s'arrêter là. Jamila, comme des milliers d'autres Algériens, croupissait en prison. Elle attendait toujours son procès. Elle allait avoir 25 ans. Le 18 mars 1962, les accords d'Évian mettaient fin à 8 années d'une guerre qui n'en portait pas le nom. Le cessez-le-feu, applicable dès le lendemain, déchaîna l'OAS, qui rétorqua par des attentats réprimés dans le sang. Malgré tout, l'indépendance de l'Algérie était désormais inéluctable. Des élections seraient organisées rapidement. Le peuple algérien avait enfin le libre choix de son destin. L'amnistie fut décrétée pour les deux camps. Les militants du FLN ne seraient pas jugés et leurs tortionnaires jamais condamnés. La loi interdisait même de citer leur nom. Jamila Boupacha et les autres prisonniers algériens furent libérés. Cela représentait certes une victoire, mais qu'on ne pouvait pas attribuer à la justice.
La tour Eiffel, c'est Gustave Eiffel qui l'a construite. Tu sais, je connais mieux l'histoire de la France, la Révolution, tout ça, que l'histoire d'Algérie. Nos ancêtres les Gaulois, c'est ce qu'on apprenait à l'école. Tu vas pouvoir finir tes études maintenant. Je voudrais rester à Paris. Je voudrais faire une école d'infirmière. Ben oui, pourquoi pas. Je pourrais t'héberger quelque temps. Ce serait un rêve. J'ai eu la CIMADE. Ils sont très touchés que tu veuilles les remercier. Claude va nous emmener. À tout à l'heure. Tu reviens quand? Tout à l'heure, je te dis. Les enfants qui partent. Rendez-vous avec quelqu'un en particulier? Non, on m'a dit qu'on viendrait nous chercher. Là. Des militants algériens aimeraient saluer Djamila. Est-ce que vous acceptez? Ils sont là dans ce bureau. D'accord. Vas-y, on t'attend ici. Visiblement, Djamila connaissait ses ravisseurs. Elle n'a pas protesté. Les militants du FLN? Sûrement. Évidemment, les types n'avaient pas donné leur identité aux responsables de la CIMADE. C'est terrible. Djamila voulait tellement vous rencontrer. Vous étiez devenue son idole. Vous n'avez pas pu l'embrasser. Ce n'est pas grave. Il faut qu'on la récupère avant qu'elle ne retourne en Algérie. Il faut alerter la presse. Certainement pas. Le destin de Djamila est justement en Algérie. Elle a milité pour l'indépendance, elle doit participer aux élections. Et puis vivre et travailler dans son pays. L'Algérie aura besoin de femmes comme elle. Mais alors nous ne la verrons plus. Est-ce qu'on pourrait éviter de tomber dans le pathos? En Algérie, Djamila Boupacha est devenue un emblème de la libération nationale. On l'a filmée pour la télévision, on l'a interviewée à la radio, avant et pendant les élections sur l'autodétermination. C'est une journée dont nous avons tous rêvé. Et je suis fière de voter aujourd'hui dans mon pays. Le 1er juillet 1962, le peuple algérien se prononça pour l'indépendance de l'Algérie, coopérant avec la France. Deux jours plus tard, le président Charles de Gaulle reconnaissait solennellement l'indépendance de l'Algérie. En 1968, une loi confirma les décrets d'amnistie contenus dans les accords d'Évian. Depuis, même si certains militaires ont admis que la torture a été utilisée par l'armée française, officiellement, aucun gouvernement français ne l'a reconnu. Le procès de Djamila Boupacha, par le retentissement qu'il a eu dans l'opinion publique, a cependant contribué à l'arrêt définitif de ces pratiques honteuses au sein de l'armée française. Je ne revis Djamila Boupacha que plusieurs mois plus tard en Algérie. Elle n'a jamais entrepris ses études d'infirmière. La vie nous a séparés, mais nous sommes toujours restés en contact. Oui, Djamila et moi, nous ne nous sommes jamais quittés.